Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Et je vais essayer, vu l'état de ma voix, de vous présenter l'Orchestre d'accordéon de Paris. Cet orchestre a été formé par Étienne Lorrain en 1957, qui possédait une grande école d'accordéon dans le quartier de la Bastille, qui est un quartier très populaire. Et c'était à l'époque la meilleure école de Paris. Et il prenait les meilleurs éléments de son école pour former cet ensemble d'accordéon. Au début, c'était Ensemble d'accordéon de Paris. Et il a été baptisé donc en 1957 Orchestre d'accordéon de Paris, avec pour parrain Bourville et Gérard Calvi. Voilà, aujourd'hui, l'Orchestre d'accordéon de Paris est dirigé par José Vicario. Alors, nous voici directement propulsés en Serbie. Pas le temps de respirer. C'est direct. Et en Serbie, les musiciens sont partout, dans les rues. La musique résonne à tous les carrefours. Et nous sommes là, avec nos tiares et nos rubans, comme vous pouvez le voir, en attendant notre tour pour aller danser. Voici Transylvanie.